commencé la drave à draver à 16 ans. Puis, bon Dieu, je peux le dire au début, mais probablement que je vais dire ça souvent, que c'est le plus beau métier du monde pour moi. Pour se remonter le moral, mais c'était des gars qui comptaient des histoires, la plupart. Il fallait se compter des jokes, sans ça, surtout quand ça allait mal. Quand ça allait mal, il y en avait tout le temps un qui... Pour remonter à la gang, il fallait absolument. Puis c'était des hommes qui étaient toujours de bonne humeur. Écoute, ils vivaient en plein air, là. C'est sûr qu'il y a des journées que c'est pas facile, des journées qui pleut, des journées qui... Mais ils vivent en plein air, puis tu sais, ça paraît, ça transparaît, là, tu sais, ils sont de bonne humeur, ils font un feu, là, on va dîner ici, le long de la rivière, puis c'est agréable. Là, ils parlent, puis là, ben, ils font des farces. Je suis venu au monde sur le bord de la rivière. Puis, dans ce temps-là, c'était des bio qui descendaient, là, tu sais. On jouait sur ça, puis ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a eu assez de facilité, tu sais. On prenait un bio, puis on s'en allait au large, puis... Moi, j'étais jeune, là, puis on aimait ça. Je pense que c'était ma vie. Bon, je ne sais pas, mais il me semble que c'était ma vie. Ouais. Puis la dernière année, ben, je l'ai passée avec eux autres toute l'année. Et puis, j'avais une ciné-caméra. Puis je filmais. Ça fait, qu'est-ce que je filmais? C'était des épinettes, la rivière, les bio, les épinettes. C'était... Bon, puis je filmais les gars, naturellement, quand ils travaillaient. Puis ça, tout le long de la rivière. Ensuite, arrivé sur le basket-arm, bien là, il fallait traverser le lac. C'est beau. En dernier, ça faisait drôle parce que je filmais la rivière, les bio, le palais des civilisations, le Parlement d'Ottawa. On était rendus au mois de novembre. ça n'a pas... Non, il n'y a pas eu de résistance, mais... On était malheureux, surtout ceux qui étaient plus jeunes, non? Les autres, là, ils savaient qu'il fallait qu'ils trouvent un autre job. Ça m'a fait assez quelque chose que j'ai quasiment fait une dépression. Puis j'avais tellement peur de crever de faim dans leur compagnie, là. Je me figurais qu'il n'y avait rien qu'elle qui pouvait m'entretenir pour vivre, comprends-tu? Parce que ma femme a dit, là, tu continues de même, là. Elle a dit, je ne peux plus rester avec toi. Elle a dit, ça n'a pas de bon sens. Je lui ai dit, tu vas rester avec moi parce que c'est fini la parole aujourd'hui. Là, mais je suis vraiment bien revenu tout seul. C'était le meilleur docteur, c'était moi. Tu sais? D'arrêter de penser à ça, puis d'arrêter d'avoir peur de vivre. Là, ils ont dit, la drave, c'est fini. Le monde était content. Les yachts pouvaient passer, ça arrivait, tout était beau. Jamais ils ont parlé des hommes qui ont mis dehors, dans le fond. Jamais ils ont parlé des hommes qui avaient perdu leur job. C'est ça qui me choque le plus. Toutes ces générations-là, là, rien, zéro. Personne n'a parlé de nous autres après. C'est ça qui me choque le plus. Ben, non, j'oublie pas ça, moi. Je me dis, ben, frère, toi, là, des fois, je pense à ça. Là. Je travaille, je peinture, là. Puis, je vois encore les pitounes. Puis, j'aimerais ça les voir. C'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Ben, moi, je couche ici. Je couchais juste ici, tout le même matin, au Saint-Maurice en Val-de-Vent. Une petite chaloupe tout le temps dedans. Mais c'est plus pareil. C'est plus pareil. C'est un des souvenirs quand je me promène. La végétation a poussé partout. Là. Ce qui était à nos hangars, ce qu'on arrivait avec les bateaux, il ne reste plus rien, absolument rien de ça. Il y en a. Ils veulent même plus mener, ça arrive, parce que il a passé, c'est mort. Puis, c'est à peu près avec moi qu'il y va, dans le fond. Là. Mes compagnons de travail, même il y en a des compagnons, là, je vous fais des années pour vous. Mais moi, je vais les voir. Ça serait plaisant. On la voit encore, moi. Je vois encore le bois qui descend ces lacs, les rivières. Je serais prêt d'y retourner. Je ne vois pas une fin. Un jour, ça va peut-être revenir, je ne sais pas, là. Peut-être bien qu'un jour, ça peut revenir.